Et bonjour à tous. Alors, petite vidéo rapide aujourd'hui, juste pour vous expliquer donc comment brancher un Zoom H1 sur son PC ou plus précisément sur un Mac. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu un souci ce matin sur lequel j'ai passé pas mal de temps, j'ai pas trouvé la réponse sur internet. Donc, je voulais vous faire partager donc le. Alors, c'est pas vraiment une astuce, mais la procédure pour que ça fonctionne parfaitement. Donc, comme vous le savez, donc pour un Zoom H1. En fait, pour le connecter, donc là ça va être sur mon Mac en fait. Donc tout simplement vous utilisez donc le câble USB, donc de préférence celui d'origine. Voilà, vous le connectez. Et en fait là ce qui va se passer, voilà, il va afficher à tour de rôle carte et audio. Carte, ça va être pour l'accès directement sur la carte mémoire. Et en audio, ça va être pour enregistrer directement. Donc on va le refaire. Hop. Donc là, on va sélectionner audio. Et ici, en fait, normalement, quand vous regardez des vidéos pour l'installer, ils vous disent de rappuyer sur Select. Le souci que j'ai eu, c'est que, en fait, en utilisant cette fréquence-là, j'avais une voix un petit peu comme si c'était une voix pitchée, une voix accélérée. Ça faisait une voix robotisée. J'ai bataillé pas mal ce matin pour essayer de le faire fonctionner correctement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait tout simplement changer la fréquence pour régler ce problème-là. Pour la changer, vous appuyez sur la flèche du haut ici. Et ça va passer de 44 à 48. Vous faites sélectionner. Et là, votre enregistrement fonctionnera sans aucun souci. Donc, si vous avez des problèmes d'enregistrement avec le Zoom H1, tout simplement, il vous suffit de changer la fréquence. Alors, je ne sais pas si le problème est le même sur Windows, mais sur Mac, voilà, il y a cette petite particularité qui fait que si vous n'avez pas la bonne fréquence, vous aurez de gros soucis au niveau de l'enregistrement. Ça vous fera une voix qui est, je vais pas dire inaudible, mais ça va vous faire une voix un petit peu robotisée, un peu accélérée, qui est vraiment, vraiment bizarre. Donc voilà, c'est quelque chose, j'ai pas trouvé la réponse sur internet sur les vidéos. Donc c'est pour ça que je préférais, voilà, vous faire une petite vidéo assez rapide pour vous partager cette solution-là. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!